Donc la régionalisation avancée est un processus, un programme, un projet de longue haleine, extrêmement important pour notre pays. Et c'est bon que, de temps en temps, de manière régulière, les gens concernés par ce programme, cet objectif, ce chantier, n'est-ce pas, eh bien, se réunissent pour faire le point, échanger leurs idées, éviter les malentendus. Et il est vrai que moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'idées qui sont avancées sur la régionalisation, qu'il faut rectifier et revenir à la source et à la doctrine initiale. Et c'est un bon moment pour faire le point. Hein. Y a-t-il un point qui vous interpelle particulièrement sur cette question de régionalisation avancée ? Alors, j'étais très content de constater que même votre journal, n'est-ce pas, y a fait allusion, qu'on le voit dans le programme du colloque, dans la régionalisation est une réponse extrêmement intéressante et utile au défi de la mondialisation. Un, il y a des régions qui, elles, ont tous les atouts de la mondialisation, et le fait de raisonner développement futur dans le cadre régional permet de mieux les insérer dans la mondialisation. Et ces régions existent dans notre pays, hein, qui bénéficient de la mondialisation. Par contre, il y a des régions qui sont défavorablement impactées par la mondialisation. Et malheureusement, ces régions aussi existent chez nous dans notre pays. La région, je continue à le dire, c'est le champ de bataille de la mondialisation. Et c'est pour cela que la mondialisation avancée, c'est une grande initiative royale qui est exactement au cœur et au rendez-vous des défis de l'ouverture que notre pays a choisi et de l'ouverture au marché mondial que notre pays a choisi.